bas du low la go. Quand j'avais ton chardon là, on m'a pas dit, mais quand j'ai wipe, le go, d'un tu vas et l'or. On m'a ravi l'homme, on m'a pas ça l'or. Oh, bah, le go, oh, bah, le go, on m'a pas ok, on m'a pas ok. Malophobia, oh, malophobia, oh, le salope, oh, le salope, avant de y'a ma qui m'a capo. Oh, là, le go, il m'a ma faux, ma faux. Inside life, no wish wish in Colon Shelly, Lon Shelly, Lago Young John, no wish wish in Dillon Bembe, Bombe, cut a pass, but she very high, but she very high. After one, original time, major extra, Bombe, cut a pass, but she very high, but she very high. After one, original time, major extra, Bombe, this, my fault, my fault, cause I am better, well, my fault. Mon fait bisola, cola y voilà. Qui tu dis bola, qui tu dis bola. Ma quoi ton amour. Madame. Il te croit chez toi non? Chez toi? Arrête moi je te là. Tu sais que lundi tu dois déposer un dossier non? Mais je sais. Et tu sais? Oui. Et tu danses? Mais est-ce que déposer les dossiers c'est que je ne dois plus m'amuser? Tu dois plus t'amuser hein? J'espère que la nuit tu iras déposer le dossier. Papa! Mais il a quoi le gars? Papa! Oh oui ma chérie! Je suis en train d'aller déposer les dossiers. Oui, vas-y, vas-y, j'ai déjà appelé le DG. Vas-y, vas-y, ça va. D'accord, tout à l'heure. Oui, entrez. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien. C'est vous, demoiselle Adonna? Oui, oui. La fille de l'honorable? Oui, c'est moi. D'accord, ok. Pas avoir de soucis. Il n'y a pas de soucis. En tout cas, dès lundi, ça c'est, vous allez commencer le boulot. D'accord. Voilà, pas de soucis. Merci. Et puis, je vous en prie. À très bonne journée à vous. Merci, pardon. Ah, je suis vraiment en retard. Je suis allée déposer mon dossier. Et il est même. En tout cas, moi,
Avec ce que je vois là, avec votre dossier là, c'est... Il faut de l'espoir. C'est rassurant. C'est vraiment rassurant. Vous avez... En fait, je peux même dire que j'ai vu les dossiers, mais votre dossier, vraiment... Moi également, je suis énormément aimé. C'est du travail. Voilà. Donc, des personnes comme vous, il nous faut dans notre société. Donc, alors, vous ne pouvez pas trop vous retenir. Ne vous inquiétez pas, on va vous... Je termine à peine mes études. D'accord. Ouais, le dossier. Alors, vous avez fait l'étude. Mon CV. J'ai fait l'étude encore. Ah, d'accord, donc c'est vous qui serez. D'accord. Alors, vous avez fait l'université. Oh là là. C'est... Vous avez fait la fac alors? Oui, université des sciences de la santé. Ah, d'accord. J'ai eu aussi un jeune frère qui... D'ailleurs, lui, il est toujours, il est en 6e année. Ah, d'accord. Sinon, comment ça se passe là-bas? Ça va? C'était pas vraiment facile, mais ça va aller. D'accord. Donc, c'est votre dossier, là? Oui, monsieur. Ok, donc, en tout cas... Ne vous inquiétez pas, je prendrai la peine de bien regarder... Monsieur, il faut quand même penser à moi. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Si vous voyez les réalités, ça devient un peu compliqué. Moi, j'ai bossé et tout, donc c'est compliqué. Ouais, non, je comprends, ne vous inquiétez même pas. Tant que le dossier est déjà bon, il n'y a pas de souci, on vous appelle. Qu'est-ce que me garantit? Vous n'avez pas de problème, madame. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes sûre? Ne vous inquiétez pas, madame. Ne vous inquiétez pas. Et donc, vous prenez pas mon numéro pour qu'on se partage un verre après ça? D'accord, il n'y a pas de souci, donnez-moi mon contact. Ça me permettra de... Ah, c'est très gentil, c'est un cadeau. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas marié? Oh, comment vous avez su ça? Mais vous n'avez pas d'alliance là? Effectivement. Waouh, ok. D'accord, allez, insérez le numéro. D'accord. Sinon, vous êtes très ravissante. D'accord, merci, c'est gentil. J'aime bien. Merci beaucoup, merci. Non, il n'y a pas de soucis. J'attends. Non, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ok. Sinon, vous êtes très belle. Merci, c'est gentil. En tout cas, on verra. Non, si c'est déjà avec moi, vous n'avez pas de problème. On verra très bien qu'est-ce qu'on peut bien y faire. C'est déjà avec moi. C'est mon dossier, c'est devenu mon dossier, madame. Oh, rassurez-vous, c'est mon dossier. C'est un truc comme vous là, vraiment, qui va décider ça. C'est mon dossier. Non, ne vous inquiétez pas. Non, vous êtes même déjà embauché, vous êtes embauché. Ah, merci. Vous êtes embauché. Vous êtes embauché. Oh, pratiquement une semaine, le monsieur-là ne m'a toujours pas appelé. J'ai même pas son message. Il y a 15 heures. Cela font trop de bruit. Oh non.
toujours rien. C'est même pas son message. Ah, c'est quoi? Libertis. Ah, c'est qui? D'autres ont voyagé, et tes copines. Ah, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je sais pas ce qu'elles deviennent. Bon, ok. Bon, moi, là, tu fonces où comme ça? Je suis en train d'aller chez un oncle. Ok, d'accord, moi je suis en train de rentrer. C'est quoi ton numéro? 074-62-25-45. Le pompier! Arrête ça. Pompier de l'autre. Ah, ça, j'ai les anciens trucs. Laissez monsieur une engage, je peux plus le faire. Je peux plus le terminer, je fais la migraine. Oh putain. Je ne vais même pas appeler l'OSG. Je me dis qu'il faut que je rentre à la maison parce que là ça ne va pas. Allô? Bonjour, monsieur le secrétaire général. Oui, c'est madame Essono. Monsieur, ça ne va pas. Je vous appelle pour vous dire que je vais à l'hôpital pour prendre mes résultats. Je ne me sens pas bien, je suis malade. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Bonjour docteur. Bonjour mademoiselle Essono. Je suis venue pour prendre mes résultats. Justement, ils viennent d'arriver, attendez une minute. Ça ne va toujours pas? Je ne me sens pas bien, j'ai des maux de tête. Je tousse et tout, je ne me sens pas bien. Ok. J'aurais d'abord quelques questions à vous poser. Est-ce que dernièrement vous avez eu des rapports à risque, des rapports non protégés? Docteur, pourquoi? Pour que je puisse poser mon diagnostic. Dites-moi ce qui se passe. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ça fait longtemps. Vos résultats présentent une très grande baisse de vos taux de CD4. Mademoiselle, je pense que vous avez le virus de l'immunodéficience humaine. Allô? Ouais, s'il vous plaît, envoyez-moi déjà le dossier, là, le dossier d'IA. Ouais, j'en ai besoin. D'accord, monsieur. D'accord. Rapidement, s'il vous plaît. Ok. Merci. Pardon? Vous avez le VIH, mademoiselle. Et vous saviez
qu'on montre de nos jours. Les gens vivent très bien avec cette maladie. Vous n'avez pas besoin de ce qui est trop stressé. Infirmière, infirmière! Vous avez été amis avant ? Tout à l'heure, là, ce matin. Ok, d'accord. Soumettre. Merci. Madame. Qu'est-ce qui se passe ? Ce document est franchement à la fois ça ne respecte pas les normes et c'est également imbibé de fautes, de petites fautes d'orthographe. Vous aussi vous écrivez connaissance avec un seul N. Vous ne pouvez pas écrire établissement sans mettre T à la fin, ça va. Madame. Mais ça ne respecte même pas les normes que cela doit respecter. Vous savez, j'aimerais vous poser une question. Dites-moi. Vous avez vraiment fait l'école ? Oui, monsieur. Vous avez vraiment fait l'école ? Monsieur, dites-moi que je suis la seule et que j'ai fait l'école ? Non. Je n'ai jamais eu la chance d'étudier votre dossier. Parce qu'en fait, vous savez, depuis que vous êtes rentré dans cette entreprise, franchement, je vous ai toujours digéré à cause de votre père. Parce que tous vos traitements de dossiers, tous vos traitements de documents sont toujours soit imbibés de fautes, soit ça ne respecte pas les normes. Toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes problèmes. Regardez, vous savez, pour apporter un dossier pareil, rempli de fautes comme ça, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Une petite faute, on dirait même que c'est un enfant de, je sais pas, de CP1, de CP2 qui a rédigé. Ça va quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire de vous parce que ça devient un peu de trop. Ce sont des erreurs qu'on doit pas trouver chez. Monsieur, peut-être avec le temps ça peut s'améliorer. Mais jusqu'à quand? Vous savez combien de fois je vous ai reproché à propos de ces histoires-là. Mais ce sont les conséquences. Hein. Vous avez toujours misé sur votre père, vous avez dit non, bah, papa est là, papa a les moyens, papa a les relations, et voilà où vous en êtes aujourd'hui. Je suis convaincu que si vraiment, comme vous le dites, vous avez fait l'école, ce sont des choses que vous n'êtes pas censé faire. Vraiment, je plains votre cas, je suis vraiment désolé pour vous, mais. Je pense qu'il sera mieux qu'on se sépare de vous dans notre société. Mais patron, s'il vous plaît, on peut arranger ? Non, on peut faire quelque chose ? Vous savez, ça, 6 mois ! La même chose, il n'y a même pas un petit changement, au contraire, ça va de mal en pis, mais. Je peux toujours apprendre ? Non, madame, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez recevoir votre lettre de licenciement. On va vous l'envoyer. Parce que là, on ne pourra plus être avec vous. Vraiment, toutes mes sincères désolations. Je suis vraiment désolé. Celle-là, elle a mis son téléphone où? Je n'ai même pas fait ce que j'avais, elle aussi. Oh, franchement. De toutes les manières, je vais aller là-bas comme ça, elle verra. Qu'est-ce que je veux voir là, le résultat de la vie que j'ai menée?
de la vie que j'ai menée. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis une jeune fille à mon âge. Qu'est-ce que je vais devenir? Ah, voici la vie que j'ai menée depuis le lycée. Je ne suis même pas mariée, je n'ai même pas d'enfant. Je n'ai même pas d'enfant. Aïe, qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Oui, ce monde qui n'a fait que m'attrister. Sans aide et abandonné à mon sort, j'ai toujours lutté afin de réussir. Je suis quittée de rien en espérant devenir quelqu'un. Mais hélas, le bonheur n'a fait que m'échapper. J'ai fatigué de voir que mes efforts n'ont fourni à rien dans ce monde. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Ce n'est pas un geste d'égoïsme, non, non. Mais un geste de délivrance. Faire quelque chose de grand pour devenir grand à son tour. Tour à tour, on est facturé parce que la réussite aussi a son coût. Coûte que coûte, y parvenir, prospérer, gagner, y arriver et venir à bout ne doit pas enfreindre certaines règles et tabous. La morale est certain défendue. Ternir notre valeur, vexer notre pudeur, bafouer notre honneur. Puisqu'il faille réussir à tout prix, quitte à tout perdre, non. Et qu'il a dit, emporté, porté par la mentalité du « il m'est impossible d'échouer » ne doit pas inclure de laisser passer dignité, honnêteté et intégrité. Prête à payer le prix fort que le succès impose repose sur l'effort. Concentration, passion, application, engagement, discipline et plein d'autres qualités. Il n'y a pas d'ascenseur pour la réussite, il faut prendre l'escalier. Ne dit-on pas que la réussite est faite de 99% de sueur et 1% de talent? Si tu le sais déjà, mais qu'est-ce que tu attends? Faire quelque chose de grand pour devenir grand à son tour.